Et les amis, vous voyez cette championne? Elle, c'est Marie-Auray, elle habite à Bethlac. Retenez bien son nom, il se pourrait que dans quelques années, elle fasse vibrer les foules dans les plus grands stades du monde. Et si, un jour, vous la voyez avec un maillot de l'équipe de France sur le dos, vous pouvez toujours dire que vous l'avez déjà vue. Et sa première télé, c'était sur câble, la télé du Haut-Sungo. En charge dans le cadre de mon travail, donc l'équipe départementale des U12 et U13 féminines. Donc, dans ce cadre-là, nous avons une cinquantaine de filles que nous sélectionnons entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Et de ces 50 filles, donc, on leur fait passer une batterie de tests. Et donc, parmi nous, nous avons dernièrement reçu de notre conseillère technique régionale du foot féminin le classement de cette saison 2011-2012, et donc elle est parmi nous, donc j'aimerais appeler et puis qu'on ait donné un tonnerre d'applaudissements donc à la numéro 1 de ce classement, Marion Ray. Donc voilà, donc Marion est très discrète, mais je voudrais quand même qu'elle dise un ou deux petits mots. À la prise de cours, comme ça, je sais qu'elle aime, qu'elle adore. Alors, je sais pas, dis-nous comment tu as vécu ton année footballistique avec l'équipe départementale et puis peut-être cette semaine ici. Ben, c'était bien. On s'est bien amusé avec les filles et cette semaine aussi. Donc, le ballon, c'est pas un ballon partenaire, donc l'AF Academy, mais c'est un ballon partenaire donc de la Fédération Française, c'est Nike, hein, puisque c'est une petite remise. Exceptionnel donc de la fédération. Alors, Marion, le petit trophée. Comme tu aimes bien les casquettes, une casquette. Et donc le petit t-shirt. Voilà.
Voilà, et puis donc c'est vrai que Marion représente vraiment à l'image de notre équipe de France toutes les valeurs qu'on souhaiterait voir sur l'ensemble des terrains de football. Ses grandes qualités, c'est surtout elle a la rapidité et elle a la technique. Ah ouais, elle gère un max. Non mais honnêtement, je sais pas. Déjà, c'est la seule fille du groupe et enfin du groupe 1 qu'on avait. Franchement dit, elle est forte techniquement. Elle est fair play, enfin elle est pas énervante sur le terrain. Elle est gentille et ouais, et puis voilà, c'est une très bonne joueuse. Elle prend sa balle, d'où elle vient, elle arrive à la mettre au fond des filets quasiment tout le temps. Techniquement, elle s'est améliorée cette année. Et par rapport à l'année dernière, elle était déjà aussi très forte. Alors, ben, quand je jouais avec elle, ben, elle jouait avec les garçons et elle jouait super bien, quoi. Des fois, elle fume les garçons même, les petits ponts, les dribbles, tranquille, quoi. Et voilà, franchement, elle est sympa. Faut qu'elle progresse et qu'elle continue de persévérer dans son poste. J'espère qu'elle pourra être une très grande joueuse de foot féminin plus tard dans les années à venir. Bah, Marion, si elle devient professionnelle, je serais fier d'avoir débuté le foot avec elle et je pourrais raconter à ma famille qu'est-ce qu'on avait fait dans les stages de la FACADEMY avec elle. Bon, à la prochaine.